Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors effectivement, je risque d'être décevante parce que je ne vais pas du tout en fait suivre ce qui est l'intitulé indiqué dans vos programmes. Et effectivement, je suis membre du CCNE, du Comité Consultatif National d'Éthique, et je ne vais pas du tout parler de ça non plus. On a rendu un texte récemment dans le cadre de la révision de la loi bioéthique où on reparle, on revient sur les questions de l'accompagnement en fin de vie et où on réinsiste lourdement sur la nécessité de diffuser l'esprit des soins palliatifs dès la formation médicale et dans toute la société, de faire vraiment un travail sur le regard sur la mort, un travail aussi sur le regard sur la vieillesse, qui a donné lieu à un avis coordonné par Régis Aubry, que vous connaissez certainement, et Cynthia Fleury, qui a été publié en mai. Voilà, le CCNE est vraiment tout à fait partie prenante de la culture des soins palliatifs et de l'encouragement à ce qu'elle se développe, à ce que politiquement les moyens soient donnés aussi pour un accès plus égal sur le territoire et un accès pour tous. Et je crois qu'on dit ça, j'ai remonté les archives du CCNE, je crois que ça s'est dit depuis les années 90. Donc ça avance, mais c'est vrai que ce serait bien que ça avance encore plus loin et encore plus vite, on dira. Voilà, effectivement, je suis partie plutôt en tant qu'écrivaine et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'entre le moment où j'ai accepté d'intervenir et le moment où j'ai fini par préparer vraiment cette conférence, c'est-à-dire la semaine dernière, il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont fait résonner le mot de trace de façon différente. Et c'est vrai que cette trace, laisser une trace, on peut l'entendre comme une espèce de pugnacité de vie, de volonté de vivre plus. Et je me suis demandé en quoi ça pouvait aussi amorcer la trace, le pouvoir mourir, l'acceptation de mourir. Et je pense que certainement que Valéria aura des choses à dire aussi là-dessus juste après. Ce qui me plaît dans ce mot de trace, en fait, c'est son humilité. C'est un mot qui assume sa précarité. La trace est moins velléitaire que l'empreinte. Ou du moins, c'est une empreinte qui ne maîtrise pas son devenir, qui se donne à corps perdu et qui se sait effaçable. La trace est quelque chose de fragile. Elle dépend du support que d'autres voudront bien lui assurer. Elle est humble au sens étymologique de naître de l'humus. La trace comme une écriture intime. Dans le vis-à-vis entre bien portant et la personne malade, une frontière se dessine parfois, beaucoup de frontières, souvent, quand ce n'est pas des gouffres, et qui a quelque chose peut-être à voir avec la définition que nous donnons à la trace. Le bien portant aura peut-être tendance à l'amalgamer avec la traçabilité, comme on l'a déjà entendu, quelque chose dont on attend un résultat qui soit soumis à évaluation, quelque chose de repérable, de transmissible, de quantifiable. Quant à la personne en fin de vie, la trace qu'elle peut émettre relève plutôt d'une arabesque dessinée du bout du doigt dans le silence et qu'il nous faudra ou non déchiffrer. Peut-être accepter aussi parfois qu'elle soit indéchiffrable. La trace qu'on balbutie de soi au cours d'une vie s'émancipe à la manière du pollen, nulle traçabilité possible. Cette trace ne se trace pas, pour ainsi dire, elle se recueille. Dans son livre « Le Lambeau », Philippe Lançon, rescapé de l'attentat contre Charlie Hebdo, raconte qu'après l'assassinat de son père, l'écrivain colombien Hector Abad, qui accourt sur les lieux du meurtre, trouve dans les poches du costume de son père un poème de Borges qui débute par ce vers « Nous sommes déjà l'oubli que nous serons ». Et Philippe Lançon de compléter « C'est le talisman et la dernière trace, le dernier mystère du mort ». J'avoue avoir la faiblesse de croire que nous sommes peut-être davantage que l'oubli que nous serons, mais je veux bien admettre que ce soit cette menace de la disparition qui justifie l'appel de la trace. Car il y a une autre mort dans la mort qu'on appelle en effet oubli. Et la trace sans doute a vocation à contrer cet exposant de la mort au sens mathématique du terme, mort exposant oubli, donnant disparition. Et j'ai toujours été étonnée d'ailleurs de ce synonyme étrange qu'on attribue souvent à la mort en le confondant avec la disparition. Nous tous qui sûrement avons eu à souffrir la mort de nos proches, nous savons qu'ils ne disparaissent pas. Pas plus qu'il est juste de dire que nous les avons perdus.
Il demeure par trace et par réminiscence, et après avoir été témoin de la pugnacité de vouloir vivre, la trace peut accompagner un pouvoir mourir, car elle s'assure que la mort ne puisse justement pas être confondue avec une disparition. Alors tout ce que je viens de vous dire, je vais essayer de l'illustrer à travers une histoire, parce qu'il s'agit aussi de se demander comment est-ce qu'on raconte. Et je vais essayer de vous raconter une histoire qui m'a amenée à déplacer l'intitulé de cette intervention et à réfléchir autrement à l'enjeu de la trace. Il se trouve que cette histoire commence avec un sculpteur suisse, lausannois, qui s'appelle Nicolas Zaritsch. Et c'est tout à fait normal si vous ne le connaissez pas, mais maintenant vous allez le connaître. Et un projet d'une association lausannoise qui s'appelle l'Hospitalité artistique. Ce projet consistait à inviter ce sculpteur à créer dans le centre-ville de Lausanne, pour la Semaine Sainte, une passion grandeur nature à la façon de Nicolas Zaritsch, qui en effet est habitué à modeler des sculptures à taille plus qu'humaine. C'est maintenant, on a vachement bossé avec Anne-Lise sur la coordination, justement. On a pourtant bien travaillé, vraiment, on a assez levé tôt. Bon, l'attente suscite le désir, normalement, donc c'est presque fait exprès. Voilà. Donc Nicolas Zaritsch, sculpteur lausannois, qui est habitué à faire des sculptures immenses. Ouais, merci. On le voit là, puisqu'on a un être humain juste à côté, ça vous donne l'échelle. Mais il expose aussi à 3200 mètres d'altitude des sculptures qui, du coup, ont l'air petites, mais qui sont tout aussi immenses que la première que vous avez vue. C'est au glacier du Trien. Voilà, donc toujours des femmes animales ou des hommes animaux. Et donc, ce que demandait en fait l'hospitalité artistique à Nicolas Zaritsch, c'était de recréer une passion pour la Semaine Sainte, sur le modèle de ces sculptures immenses. Or, Nicolas Zaritsch reçoit cette invitation en même temps qu'il reçoit un diagnostic très mauvais, avec un pronostic vital fort réservé, un mauvais cancer, et il en fait part au président de l'association, disant bah, « faute de temps, certainement, je ne vais pas pouvoir participer à ce projet ». Et quelques mois plus tard, il envoie cependant un texto au président de l'association de l'hospitalité artistique. Il lui demande de passer, il lui dit « d'une part, je voudrais que tu officies à mon enterrement, parce que le président de l'association est un pasteur, et d'autre part, j'ai quelque chose à te laisser, je te laisse quelque chose ». Et il va lui laisser cette sculpture miniature, en fait, qu'entre nous, nous allons appeler le Christan, et qui est tout sauf ce que l'hospitalité artistique avait imaginé pour ce projet. Donc voilà l'association dépositaire d'une trace, puisqu'effectivement Nicolas va mourir 2 semaines après ce dernier entretien avec le président de l'association. Je ne vais pas faire de commentaires en fait sur d'histoire de l'art, des commentaires sur les thèmes, sur ce que représentent ces sculptures, voilà. Mais plutôt m'en tenir au principe de la trace dans cette histoire assez étrange qui a fini par m'impliquer moi en tant qu'écrivain. Alors premier indice, si l'on compare les sculptures géantes de Zaritsch auxquelles correspondait le projet initial et la sculpture qui reste,
l'unique et la définitive, du coup, qui n'aura ni l'occasion d'être agrandie, ni l'occasion d'être retouchée. On constate qu'on est à l'économie entre le projet initial et ce dépôt. L'économie liée à la maladie, sans doute, qui ne laissait ni le temps ni l'énergie à l'artiste de voir les choses en plus grand. Mais peut-être peut-on voir là aussi, non pas seulement une économie, mais une réduction, au sens où on emploie ce mot en cuisine, vous savez, quand on fait réduire quelque chose pour en ramasser les saveurs, et donc une concentration de sens, comme une huile essentielle. Il y a, dans cette sculpture, un vouloir vivre concentré, un vouloir vivre au sens de participer à un projet qui survivra à celui qui aurait dû en être l'auteur. Un vouloir vivre qui laisse à la fois une trace de l'artiste, mais surtout, parce qu'il n'en a pas tellement besoin, vous voyez, il y a des traces de lui jusqu'à 3200 mètres d'altitude, qui laisse la trace d'un projet. Alors, lorsque j'ai commencé à être aumônier d'hôpital et à travailler dans des unités de long séjour, il y avait une idée qui circulait, je ne sais pas si elle a circulé jusqu'en Bretagne, mais une idée selon laquelle une personne en fin de vie qui parlerait d'un voyage, qui commencerait à parler d'un projet de voyage, serait vraiment à toute extrémité et que ce voyage, en fait, indiquerait inconsciemment l'imminence de la mort. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une légende urbaine, mais dans cette idée, fut-elle davantage d'ailleurs le fruit de l'imaginaire des bien portants que celui des personnes en fin de vie, on voit que l'idée de projet fusionne avec celle de la mort. Et on retrouve cela chez Zaritch, dans l'accomplissement in extremis de cette petite sculpture. Participer. Non pas pour se convaincre de perdurer à tout prix, mais pour affirmer par cette trace que la vie va me survivre et être capable de s'en réjouir. Quand Nicolas a fait ce cristal, ce petit bronze, il n'avait aucune illusion sur l'issue de sa maladie. Et j'aime à croire qu'il a créé en acceptant ce don, en acceptant de participer à un projet qui lui survivrait et à se réjouir que d'autres en fait en prennent la relève. Pour moi, il s'agit là d'une véritable générosité à l'égard de ces survivants dont j'ai fait partie presque à mon insu. Le vouloir vivre de l'artiste et son pouvoir mourir. Voilà, et en fait, c'est la mort de Nicolas Zaritch qui m'a fait faire sa connaissance, une fois n'est pas coutume, car en son absence, le projet d'exposition ne tenait plus, et en dépit du don du cristal, alors l'hospitalité artistique s'est tournée vers moi, s'est tournée aussi vers une danseuse, vers une chanteuse, vers une violoncelliste, vers un photographe, vers toute une cohorte d'artistes qui avons ramassé, en fait, qui nous sommes rassemblés autour de ce cristal, alors qu'aucun de nous n'avions connu Nicolas. Nicolas Zaritch est la seule personne dont j'ai pu pleurer la mort alors que je n'avais pas connu de mon vivant, à force de le suivre à la trace dans ce projet du Cristan. Voilà. Et je n'étais pas au bout de mes surprises sur cette question de la trace que laissait Nicolas. Et je l'ai découvert en visitant son atelier. J'ai découvert la technique pour faire les sculptures que Nicolas utilisait et qui en dit long sur la trace comme pouvoir mourir. Cette technique, en fait, il l'appelait celle des figures ruines. Et vous voyez là, le même Christophore que vous avez vu sur le loup dans la première image, mais vous voyez sa figure ruine. Et en fait, la figure ruine, c'est le support qui va permettre de créer un plâtre dans lequel ensuite va être coulé le béton ou le bronze et simplement elle est amenée à disparaître. Et au début de sa vie, Nicolas les refondait en permanence par aspersion pour réutiliser la glaise et à la fin de sa vie, il a décidé de laisser les figures ruines mourir tranquilles, se dépecer tranquillement dans son atelier. Donc je vais vous lire un extrait du texte que j'ai écrit sur Nicolas sur les figurines. Je crois que c'est ce que j'ai vu en premier en entrant dans son atelier, la poussière. D'où venait tant de poussière, légèrement marbrée, épaisse? Cela sentait l'enfance, l'atmosphère chargée de poussière de craie des salles d'école. Puis j'ai vu les figures ruines, les glébeuses, selon la traduction littérale du nom d'Adam par Chouraki dans la Bible. Glébeux, Adam, poussière de la glèbe Adama. Il y a dans l'atelier de Zaritch un coin où se côtoient les glébeuses.
Un cheval s'y décompose lentement, son squelette de fer à béton sort de son corps de glaise dès l'encolure. Le temps dépaisse tranquillement l'animal. L'un de ses flancs tombe en lambeaux, et ce qui fut cheval se ramasse en tas de particules fines au pied de la sculpture. Tout près, un enfant fend, entame le même processus de décomposition, de crevasse en démembrement, dans une fixité soumise pourtant à une tectonique irréversible. En quelque sorte, toute sculpture commence par une figure ruine. Elle est le plein sur lequel Zaritch appose le moule. Le moule est le creux que remplira le bronze ou le béton selon la matière choisie. Un plein crée un creux qui crée un plein. La sculpture a vocation d'éternité. La figure ruine est éphémère. C'est une trace, vraiment. À peine modelée, Zaritch la momifie dans un sarcophage de plâtre. Ce sarcophage sera la chrysalide de la sculpture définitive. À 30 ans, Zaritch fait venir quelques tonnes de glaise de Paris, et ce sera toujours cette même glaise qui refondra par aspersion d'eau. Du corps ruiné de la femme renarde naîtra peut-être un âne-homme, un homme-bouc, une femme biche. Il faudra pour cela qu'elle accepte d'être poussière et de redevenir poussière. Poussière pollen. Alors c'est ce qu'une historienne de l'art a appelé chez Zaritch la palingénésie. Du grec paline, de nouveau, et génésis, naissance. C'est qu'il y a dans la façon de procéder de Nicolas Zaritch une palingénésie permanente qui repose aussi sur le pouvoir, autant sur le vouloir vivre que sur le pouvoir mourir, et l'acceptation de la transmission. De savoir que c'est aussi en disparaissant qu'on peut donner quelque chose. La trace est humble encore, qui ne dicte pas dans sa forme comment elle doit être reçue. Ce que transmet Zaritch avec les figures ruines, c'est la conviction que l'essentiel n'est pas ce qu'il crée lui, mais que la création soit possible. Il va dire d'ailleurs une phrase que je mets en exergue de mon texte, les très bons jours, je sens bien que je touche à quelque chose d'universel en faisant ce que je fais, ça fait vibrer tout cet acte de créer avec les mains. Et c'est ce rapport à l'universel qui à la fois le fait vibrer de son vivant et à la fois le fait aborder la mort dans la conviction que tout ne sera pas perdu et qu'il ne disparaîtra pas, qu'il disparaîtra à la manière des figures ruines qui auront laissé une trace derrière elles, qui auront permis des sculptures définitives de siéger au sommet des Alpes suisses. Ceci se transpose aussi hors démarche artistique. Pouvoir mourir, c'est parfois savoir avoir vécu le fait d'être suffisamment vivant pour se réjouir de la vie en soi, plus encore que de soi-même comme vivant. La trace donc comme transmission humble, comme transmission ouverte, la trace aussi comme confiance, savoir que nous participons à la créativité des survivants et s'en remettre à eux, à ce qu'ils feront de nous, à ce qu'ils diront de nous, à ce qu'ils oublieront de nous, à comment leur mémoire va nous remodeler indéfiniment une fois que nous ne serons pas là. Alors je vous lis encore un dernier extrait de ce texte consacré, qui est la finale en fait du texte que je consacre à Nicolas Zaritch, où j'écris « Et parce que tu es mort, j'ai écrit » Parce que tu es mort, Suzanne chante, Sarah joue du violoncelle, Yasmine danse, Simon installe et Timothy photographie le cristal qui mime un crucifié et finalement prend son envol. Hors de portée de toutes nos interprétations, parce que tu es mort, jamais nous ne saurons ce que ce cristal a signifié pour toi. Et avec liberté, insolence et amitié, nous entrons dans la ronde sans invitation. Parce que tu es mort, la poussière retombe dans ton atelier et les figures ruines complices redisent la loi intime du vivant qui retourne à la poussière. Le lac peut-être s'en trouve invisiblement modifié. La femme lièvre se dépigmente à 3200 mètres d'altitude et dans ton absence se refond dans la roche. L'aurais-tu imaginé? Tout tremble encore différemment. Et bien sûr, rien de cela ne justifie ta mort. Il n'y avait vraiment aucune bonne raison de mourir. Seulement, c'est comme ça. Elle nous prend tellement la mort, alors il faut dire aussi ce qu'elle donne. Ta mort nous a donné l'imaginaire, elle l'a renfloué d'un espace nouveau. L'imaginaire, ce dépôt que l'autre laisse toujours dans nos vies, qu'il soit mort ou vivant.
ce dépôt dont on voudrait parfois se départir, pour être exact, précis. Mais pourquoi, après tout? Pourquoi l'imaginaire invaliderait-il le réel? Il le poinçonne, au contraire, il l'agrandit. Ta mort comme un moule portant après toi la trace de ton passage, dans lequel nous coulons tout ce que cela ébranle en chacun d'entre nous. Notre imaginaire t'offre une vie éternelle, celle à laquelle peut-être nous vouons tous nos vies minuscules, non pas en exposant d'imprenables sculptures, mais en jouant avec la poussière. Avec la figure ruine de ton œuvre, nous remodelons une œuvre nouvelle et d'autres après nous, l'éternité ainsi de suite. Alors, dans ce pouvoir mourir, et je vais finir avec ça, il y a également la trace qui agit comme témoin de l'irremplaçabilité de chaque personne qui a vécu. À minima, la trace est le témoin que ce qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été, comme le dit Jean Kelevitch. Mais plus que cela, elle porte la marque dans sa forme, aussi éphémère et approximative soit-elle, de la singularité, de l'unicité de celui ou celle qui a été. Contrairement à la traçabilité qui catégorise et se satisfait des lots, la trace porte la marque de l'unicité, de l'irremplaçabilité de chacun. Cette marque de l'irremplaçabilité contribue sans doute à part entière au pouvoir mourir. Et je vais finir avec une citation pour illustrer ce que je viens de dire, du livre, de la toute fin, en fait, de l'épilogue du livre d'Élisabeth de Fontenay, Gaspard de la Nuit, un livre qu'elle a écrit sur son frère, un frère qui n'a jamais parlé, un frère dont on dirait aujourd'hui qu'il est autiste, mais elle disait qu'à l'époque, on ne mettait pas des étiquettes, justement. Il n'y avait pas de traçabilité de la maladie à cette époque-là. Mais en tout cas, un frère avec qui dont elle est tutrice et qui vieillit avec elle aujourd'hui, ils ont, je pense, tous les deux plus de 80 ans, qu'elle refuse de nommer par son prénom au tout début du livre, et donc elle lui invente ce pseudonyme de Gaspard, et elle l'appelle Gaspard pendant tout le livre. Et tout à la fin, et c'est assez bouleversant d'arriver à ce point-là de la lecture, je vous spoil, comme diraient mes fils, mais je vous invite quand même à le lire. Tout à la fin, elle écrit ceci. « Maintenant que je me suis souvenue de nous, que j'ai marché à ta recherche, que je t'ai en quelque sorte dessiné, mais sans parvenir à te représenter, je peux te nommer sans plus craindre de te porter malheur. Tes parents t'ont appelé Gilbert Jean, et si je tiens finalement à laisser une trace de ton prénom, c'est qu'après que nous aurons l'un et l'autre disparus sans descendance, notre nom et nos prénoms, imprimés, sauvegardés, survivront un temps dans le clair-obscur des bibliothèques, qui sont les seuls tombeaux d'où il arrive parfois qu'un lecteur vous fasse revenir. »